Dimanche 21 juillet 2024. Alors, voici Gégé en compagnie de son comparse Aristide pour faire un état des lieux de Paris avant les Jeux Olympiques. Bonjour mon Gégé. Bonjour mon Aristide. On va aller voir l'installation des Jeux des Riches. Ouais. De la nomenclatura. Les Jeux de la Honte. Voilà, et nous, nous sommes relégués tels que des gueux hors des zones de contrôle. Mais bon, on va voir ça de plus près. Les Jeux les plus militarisés, les plus totalitaires de l'histoire du monde, des Jeux Olympiques. On va aller voir ça. Déjà, on va avoir un petit aperçu au niveau du périphérique. Ah oui, oui, ben ça, je l'avais vu à l'inauguration en 2014. Ça, c'est la... Voilà, devant nous, la Fondation Cartier. Hop, on passe là. Périphérique extérieur, c'est ça. On va ramasser quelques trans et quelques champignons. Bonne culture. Non, là, ça va, dans c'est la zone. Là, ça va, c'est familial aujourd'hui. Oui, dans la journée. Hein. Dans la journée, c'est le soir que ça... Voilà. On aurait dû emmener notre ami la Picardière. Oui, mais il faut qu'il ait une autorisation de... Attends, de sa mère. Il a une dérogation. pas vieux. Va. Bon, alors on aborde le fameux périphérique. Ah, la voie Paris 2024. Hein, voilà. Hein, bon, on peut pas rouler sur la voie de gauche. Apparemment. Ah, Paris, une vraie prison. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça la voie réservée. Réservé à quoi? Eh ben, c'est réservé aux taxis, aux navettes qui transportent les athlètes, tu vois, ce genre de truc. Ben voilà, vous voyez, toute la voie de gauche monopolisée. Bon, là, aujourd'hui, ça va, on est dimanche, c'est relativement fluide, mais alors j'imagine pas l'enfer que ça doit être la semaine. Oh, puis à mon avis, notre cher Hidalgo va conserver cette voie après les Jeux Olympiques, hein, pour bien emmerder les Parisiens. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'elle a réussi, à faire pendant ses mandatures, mais bon. Vider les caisses aussi. Bon, oui, voilà. Et, mais il faut dire aussi, les Parisiens ont été assez bêtes pour voter pour elle. Enfin, merci Général Covid, hein. Bon, parce qu'il y a eu que quoi, 22%, 25% des électeurs parisiens qui se sont mobilisés. Et apparemment, ce sont les bobos qui se sont le plus mobilisés. De toute façon, le choix entre Buzyn, Hidalgo ou Rachida Dati. Oula, au secours. Ouais. On s'introduit de nouveau dans un tunnel lumineux. Ouais, comme bon. Toi, GG. Oh, c'est lumineux à l'ancienne, ça. Hein. Ouais. Ça rappelle ces longs trajets sur les autoroutes. Ça en rappelle la nuit où tu pouvais rouler à 100, 110 sur le périphérique. La belle époque. Sans trop de problèmes, voilà. Je pense aussi au Prince Noir qui a bouclé le périphérique à plus de 250 km/h en moto. T'as déjà entendu parler de ça à la fin des années 80. Quel homme? Le Prince Noir, ouais. C'est un motard, on l'a jamais attrapé d'ailleurs. Mais il a fait un record de vitesse du périphérique. Bon, maintenant, une époque bien révolue. Et y a-t-il des gens qui ont pris le périph en sens contraire? Non, je sais pas. Tiens, j'ai vu. 135 € d'amende si tu roules là-dessus. Alors ça, pour nous racketter, ils sont bons. Hein. Ah, mais tiens, là, c'est la fin de la voie réservée. Donc, on peut rouler, à mon avis, je sais pas. C'est sûr que... Ah, il y avait un panneau, c'était marqué fin de voie réservée. Bah, regarde, oui, si, regarde. Il débouche. Allez, il est tombé en panne. Non, là c'est la voie. C'est une partie, je pense, oui. Bah, c'est ce qui doit faire la jonction. Oui, regarde là-bas, les voitures elles roulent sur la troisième voie. Ils sont en train de construire des trucs à Paris, encore des tours, du béton. Encore, ils auraient fait des trucs un peu style néo-rétro, tu vois. Ouais. Qui s'inspire un peu du style haussmannien. Déjà, c'est trop haut. Déjà. Problème de hauteur, c'est trop massif. Et ça ne s'inscrit pas du tout dans l'unité architecturale de Paris. Ouais. Ah bah oui, Paris 2024, ça c'est le stade Charletti. On va tout droit. Ouais.
Allez, une petite vue sur le stade Charletti. Est-ce qu'ils vont y faire des épreuves olympiques maintenant? Et on commence à voir au loin les tours du 13e. Où habiterait Michel Houellebecq? Ouais. Ça, alors ça sent la friture, le nem, les crevettes frites, voilà, les nouilles sautées, bon appétit, les gnocchman, c'est merveilleux. Et après le repas, pour digérer, on ira se faire masser. Hein, Gégé? Voilà, on appellera la Picardière. Oh oui. Ça lui fera pas de mal, ce pauvre vieux. Alors, nous voici tranquillement à la terrasse d'un café de la rue Tolbiac, avant d'attaquer l'exploration du Paris Olympique. Ah ouais, ça, Gégé, il y a 4-5 ans, il ne voyait pas ces tours là en face. Hein. Alors dis donc, ça a bien changé, rue du Cantagrel à Paris. Alors, nous voici dans le 13e arrondissement vers la bibliothèque Mitterrand. Oh, je vois que The Frog and British Library existe toujours. Ou alors, ça, c'est choquant, ça. Ah ouais, punaise, l'architecture, là... Ah, je me rappelle les moulins, avant, putain, il y avait des super soirées. Ah, ça y est, ville-prison. La prison olympique commence. Ah, dis donc, on a barricadé l'accès au quai. Ah, vide, mais quasiment vide. Ouais, bah tu vois, ici, c'est un espace de détente, on peut même pas y aller. On pouvait prendre un verre, Il y avait des concerts, tu sais, dans Oui. Ils mettaient des bars, tout ça, tu pouvais... Bienvenue à Pyongyang. Pyongyang sur Seine. Voilà. Le Paris d'Hidalgo et de Macron. Ah, il faut réserver d'avance. Non mais c'est incroyable. Et au milieu coule une rivière, la Seine. Ouais, piscine Joséphine Baker fermée. La piscine qui avait un bassin découvert sur la Seine. Un mois et demi par an, non, on peut pas. Ah non. Du bleu, encore du bleu. En vois-tu, en veux-tu, en voilà. Franchement, il serait plus utile pour d'autres missions. Hein. Ouais. Pour vraiment protéger les citoyens français. Quel beau métier. Ah, parfois, il y en a qui n'ont pas trop le choix non plus. Hein. On veut dire dans la prison, en fait, une prison ouverte. Voilà. Bon, ici, Bercy en vue, et là en face, qu'est-ce donc que ces palissades? Sa couleur, zone protégée, t'as vu? On serait en terrain militaire, là. Ouais, bah ouais, bon, rien de particulier, hein. Ça va être pire. Militaire. Ouais, des militaires, voilà. Voilà. Ah, ils savent plus de quoi inventer en matière d'architecture. Hein. Plus laid, je meurs. Ah, sais-tu français de la mode? Eh ben, dis donc. Quel manque de goût, quand même. Bon, alors là-bas, c'est la gare de Lyon. Ah ouais, ça y est, bah, à partir de là, c'est fini. Viens, on va aller de l'autre côté, voir un peu. Oh, punaise. Ah bah non, on peut même pas aller sur le trottoir, tu vois. Bon, bah, on va traverser, hein.
impitoyable. Ah ouais, c'est vrai que... En fait, ils détruisent les hôpitaux parce qu'il y avait la saleté première. Ouais. Je préfère la gare d'origine, hein. Je vois que c'est affreux, ah là, ouais. Là, là, là. Ben, c'était pas trop mal vers le Tverlitz, qui est comme quartier. Et d'aller vite à Paris pour dans des quartiers pareils. Ah ouais, ça, pour être le cirque, c'est le cirque. Donc, pour rejoindre la Concorde, il faut emprunter le jardin des plantes de façon à rattraper le pont Sully. Bah, dis donc, mes amis, une sacrée mascarade. Enfin, au moins, on prend le frais, hein. Au moins, ces Jeux Olympiques auront le mérite de nous faire prendre un peu le frais au Jardin des Plantes. Sauf que pour un dimanche, je suis mort. Hein. On peut rejoindre les quais de Seine par là, dans cette prison à ciel ouvert. Alors, on est comme des, nous sommes comme des hamsters en cage. C'est quoi ça? C'est des gens qui idolâtrent les Jeux Olympiques, ceux qui agitent les drapeaux là. Bien, ils sont payés pour ça. Ah oui, voilà, en arrière-plan de Notre-Dame, on aperçoit les gradins de la nomenclatura. Là, regarde-moi ça, on dirait des automates avec leurs drapeaux là. Là, ils ont subi le lavage de cerveau. Non, c'est des gens qui ont peut-être été payés, voilà. Non, les bénévoles sont vraiment bénévoles. Ah, là, ce sont des bénévoles, ouais. Ah, c'est des courses de garçons de café, d'accord. Bien rose comme il faut. C'est mignon, hein. Alors là, je suis surpris, il y a encore un garage à l'île Saint-Louis. Je sais même pas si ça fonctionne, ça, non? Non, je pense pas. Ah, mais ça, c'est vraiment de l'ancien temps, ça. C'est l'année 50, tu vois. Ouh là là, là aussi on peut pas passer. Allez mes amis, montrez patte blanche. Allez mes petits bobos, en avant. Oh ça j'hallucine. C'est quoi ce parc là? Attends, le square ou le parc? Le square Henri Galli, on peut même pas y aller. Ah, grave. Reste à savoir si on va pouvoir atteindre Concorde. On est sur la piste cyclable. Qu'est-ce que ça défigure la ville? Je pense qu'on peut passer par là. Hein. Ouais.
Ah ouais, la vraie politique mondialiste, ça, ouais. Ah ouais, ouais. D'ailleurs, c'est l'ONU qui doit... Ah oui, mais rue Rivoli, il n'y a plus que cette rue-là. Pour... Voitures, non, plus le droit de circuler. C'est une voie seulement, et encore, je crois que le week-end, c'est réservé qu'aux taxis. Ah non, je pensais que c'était les taxis, non? Et même des deuxièmes qui sont interdits de manière de faire. Non, elle est ouverte la station. Hein. Non, j'aurais cru que ça aurait été fermé. Ils ont fermé les stations. Ah ouais, mais bon. Évidemment, de ce côté-là aussi, on peut pas passer. Regarde-moi ça, même aux abords du musée du Louvre. Oh là là. Louvre. Ah, tu veux dire, on est dimanche aujourd'hui, mais non, non, d'habitude on peut passer par les grilles là. J'ai jamais vu à Paris. J'organise les Jeux Olympiques à Paris. Les manières qu'ils font, bon sang, oh là là. Regardez-moi le détour pour aller à la Concorde. Monsieur Montblanc. Certes, la République, c'est beau. À ne pas confondre avec la réelle démocratie. Ah, il nous faut passer par ici. Ah non. Ah, on peut voir un... Ah non, on peut rien voir en plus de là-bas. Thank you.
Alors maintenant, on va vers le Trocadéro, voir ce qu'ils ont mijoté pour les JO. Bon, alors je sais pas si on va pouvoir aller en direction de la Tour Eiffel, mais on va toujours essayer. Et voilà, c'est tout ce qu'on aura de vision de la Tour Eiffel, telle que des gueux avec ses fichus Jeux Olympiques. Nous voilà relégués encore au second plan. Voilà, c'est tout ce qu'on peut voir de la Tour Eiffel avec ses anneaux olympiques. Et Vlati, que je te montre le pass. Patte blanche. Là aussi, pareil. On a une voie réservée. Accessible. Ah ouais, bon, t'as rien de spécial quoi, c'est juste pour voir. Non, là-bas. Bon, on va pas se faire chier.